Wow. Ça te plaît? Oui, super. Mais qui êtes-vous? Tony Garnier. Alors, le musée Tony Garnier, c'est vous? Vous me faites visiter? Oui, comment t'appelles-tu? Tom. Eh bien, Tom, regarde bien. Sur ce mur sont représentées mes réalisations d'architecte dans la ville de Lyon au début du XXe siècle. L'hôpital Édouard Herriot, l'abattoir de la Mouche, le stade de Gerland et le quartier des États-Unis où nous sommes. Connaissais-tu tous ces bâtiments? Mes parents m'en avaient déjà parlé, et je suis déjà allé à un match de foot à Gerland et au spectacle à la halle Tony Garnier. Monsieur, papa m'a dit que vous étiez un architecte visionnaire. Ça veut dire quoi? Pour que tu comprennes bien, comme je suis aussi un peu magicien, je vais t'emmener visiter ma ville industrielle idéale que j'ai dessinée dans les années 1900. Alors, redessinez-la moi en 3D pour que l'on s'y promène tous les deux. Pour toi, tout est possible. Allons-y. Après mes études d'architecte en 1900, lorsque j'étais résident à la Villa Médicis à Rome, j'ai dessiné les plans de la cité industrielle idéale. Elle propose de répondre à tous les besoins d'une cité moderne, dépourvue d'églises et de prisons. Elle concrétise un idéal où éthique et travail sont les seuls dieux. Les habitations individuelles sont séparées par de larges avenues plantées d'arbres où écoles, commerces, hôpitaux trouvent place sous forme de pavillons. Quel espace! Et ce grand bâtiment, c'est quoi? Voici le centre administratif. Je me suis servi de ces plans pour réaliser en 1935 l'hôtel de ville de Boulogne-Billancourt avec son beffroi monumental avec horloge. C'est bluffant tout ça! Mais votre cité idéale, vous avez voulu la construire à Lyon? C'est dans notre ville que j'ai redessiné la deuxième version de la cité idéale. En 1904, Monsieur Augagneur, le maire de Lyon, m'a demandé de me consacrer exclusivement aux besoins lyonnais pour saisir l'occasion de réaliser mon œuvre. Ce n'est qu'après l'arrivée en 1905 du nouveau maire Édouard Herriot que j'ai vraiment concrétisé mon rêve avec les abattoirs de la Mouche. Ils feront partie de cette nouvelle cité de la viande sur un site de 25 hectares, contenant le marché d'une part, les abattoirs de l'autre. Ils ont été conçus de type horizontal et disposés en fonction de la marche des opérations, de la venue des animaux jusqu'au départ de la viande de boucherie. Si je comprends bien, la halle Tony Garnier aujourd'hui est le dernier témoin des abattoirs de la Mouche. Transportons-nous vers la cité du sport qui est toute proche du site de la Mouche et qui va s'appeler Gerland. En 1913, la mise en chantier du stade avec les allures antiques que j'ai données à son arène rappelle l'olympisme en vogue. Le public pourra enfin pratiquer des sports dans l'un des premiers grands stades en France. Quelles sont les dimensions de ce stade olympique? 30 000 places, pistes pédestres de 500 mètres et cyclistes de 700 mètres. Après l'alimentation et l'activité sportive de la population, je suis sûr que vous avez pensé à sa santé. Bien sûr, la question sanitaire a toujours été pour moi une priorité. Le projet d'un nouvel hôpital est aussi celui de la municipalité, et il faut voir grand. Le domaine de Grange-Blanche, à l'est de Lyon, est choisi. Je profiterai de la déclivité du terrain pour construire sur trois niveaux. En bas, les services généraux, au milieu, les pavillons principaux, et tout en haut, celui des contagieux. L'ensemble représentera 1 200 lits et sera inauguré en 1933.
on dirait qu'on arrive dans un quartier d'habitation plutôt résidentiel. Eh oui, rappelle-toi les bases de ma cité idéale. Les habitations sont disposées en pavillons, entourées de larges avenues bordées d'arbres. Comme quatrième chantier que m'a demandé la municipalité lyonnaise, la construction d'un quartier neuf pour loger 12 000 personnes à prix abordable à l'est de Lyon. Ce sera le quartier des États-Unis, du nom du nouveau boulevard industriel qui le traversera. Dans ce quartier qui sera inauguré en 1933, outre les habitations pourvues de tout le confort moderne, sont prévus tous les équipements collectifs. Écoles, bibliothèques, piscines, terrains de jeu, hôtels et commerces. Super! Maintenant que nous sommes revenus dans le quartier des États-Unis, rentrons en 2021. C'est chouette de constater que votre cité idéale, presque un siècle plus tard, est toujours là. En partie, c'est vrai. Mais c'est une grande satisfaction pour moi de constater que mes idéaux sont toujours d'actualité en ce début de 21e siècle. Merci pour votre visite. À bientôt. Au revoir, Tom.